Bonjour à tous, c'est Émilie. Déjà, je souhaiterais vous dire merci à tous mes fans. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du monde d'Émilie. Je vais vous parler de ma routine maquillage. Je vais tout vous dire, étape par étape. La première étape va être d'appliquer sur votre visage une crème hydratante. Alors moi, je vais utiliser une crème bébé. Je vais l'étaler de façon à ce que ce soit uniforme. On regarde bien sûr dans son petit miroir, bien sûr. On va étaler la crème. Voilà, une fois que tout le visage est fait, vous êtes prête pour passer à l'étape numéro 2. La deuxième étape, ça va être d'appliquer votre fond de teint. Pour le fond de teint, je vous conseille bien sûr de choisir un fond de teint qui se rapproche de votre carnation. C'est pas fini. Maintenant, nous allons passer à l'étape 3. On arrive à l'étape 3. L'étape 3, ça va être d'appliquer la poudre sur le visage. Avec l'aide de votre pinceau, vous allez étaler la poudre. Faites des petits cercles pour étaler la poudre. Voilà! Le visage est terminé, donc on va passer à l'étape 4. L'étape 4, ça va être les yeux, cils et sourcils. On va dessiner les sourcils avec un crayon. Une fois les sourcils terminés, voilà l'étape du liner. Une dernière étape pour les yeux, ça va être le mascara. Dernière étape du maquillage, ça va être les lèvres. Pour ça, vous allez utiliser votre rouge à lèvres. Et voilà, c'est fini. L'idée, ça va être de se maquiller, mais pas trop, pour rester naturel et ne pas ressembler à une poupée française. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve bientôt. Bisous les amis. Mouah.